Hey, salut à toutes et à tous, et on se retrouve sur ma chaîne, enfin sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. Et donc, on se retrouve donc sur une petite vidéo pour vous montrer un peu un nouveau robot que j'ai fait. J'avais déjà montré une vidéo sur un robot Arduino qui est ici, mais bon, là c'est toujours un robot Arduino, mais fait d'une autre manière. Donc voilà, je tenais un peu à la vous présenter parce qu'elle est beaucoup plus simple que l'ancienne. Que ce soit au niveau câblage, au niveau programme, etc. Enfin voilà, ça se voit direct à l'œil nu, quoi. Déjà là on a tout le bordel câblage, alors que là on a juste une carte Arduino et un shield. Alors que là on a tout le bordel câblage, on a la batterie, enfin voilà. Alors bon, je vais vous présenter un peu rapidement comment le faire. Mais bon, sinon c'est vraiment extrêmement simple. Donc déjà, va falloir que vous ayez donc ou que vous achetez un shield pour Arduino. Donc le shield, bon, je vous le mettrai dans la description. Bon, sinon le shield contient deux L293D. Donc ici, celui du milieu, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ici, j'ai mis donc un capteur ultrason. Là, ici j'ai mes bornes où sortent, enfin les. Oui, les bornes pour les moteurs. Donc là, j'ai ici un moteur et là, j'ai le deuxième moteur. Ah putain, ma voix. Voilà, donc le shield, voilà. Ah. Est branché directement sur l'Arduino. Je pense que vous savez comment fonctionne un shield. Vite fait, voilà. Et donc le capteur ultrason est branché directement. Donc comme vous pouvez le voir ici, il est branché dans l'Arduino et ensuite j'ai posé le shield. Bon, voilà, après. Voilà, donc ce qui est pas mal avec ce système, c'est qu'on a besoin juste d'une seule pile pour alimenter l'Arduino et le shield. Bon, j'ai peur du coup que la pile s'use vachement vite. Alors que c'est vrai qu'avant, dans l'ancien robot, j'avais besoin d'une batterie de 9 volts et d'une pile pour alimenter l'Arduino et le circuit pour les moteurs. Mais du coup, voilà, je pense que la pile va s'user un peu plus vite ici. Forcément, parce que ça alimente Arduino et le shield, donc et les moteurs. Voilà, donc. Voilà, donc comme l'autre vidéo, hein, j'ai. Oh putain, le truc il se barre. Donc, comme. Je vais essayer de le tenir, ça va être galère. Voilà. Donc, comme dans l'autre vidéo, donc j'ai collé mes moteurs avec du scotch double face. Alors, en fait, le problème c'est que ça marchait pas, du coup, j'ai foutu de la colle un peu partout. Je sais pas si ça se voit. Non, pas trop, ça va. Ouais, moi aussi, il n'y a pas la lumière. Donc voilà, j'ai foutu de la colle avec ce petit pistolet à colle là. Voilà, donc je me suis éclaté sur la colle, j'en ai foutu vraiment plein partout sur les moteurs. Du coup, là, ça s'enlève pas, ça tient et c'est bien. Voilà. Donc pareil, j'ai foutu une petite roue pivot à l'avant pour que ça tourne comme il faut, etc. Voilà, que dire de plus? Ah oui, une petite astuce pour avoir deux. De comment s'appelle ça déjà? Ah oui, deux châssis pour les robots, sans, enfin en n'en payant qu'un seul. Tout simplement, en fait, vous achetez un châssis avec genre deux étages et quatre moteurs, et bah vous pouvez utiliser deux châssis. Donc je vous mettrai les liens dans la description pour avoir si vous voulez. Donc déjà un seul châssis du genre ça avec la roue pivot, tout ça, voilà, et un autre châssis avec deux étages, donc en gros deux plaques comme ça. 4 moteurs avec 4 roues, voilà. Donc voilà. Et du coup, je crois quand même que vous payez un peu moins cher si vous achetez le gros châssis que les petits châssis comme ça. Puis j'aime pas trop les petits châssis. Moi, je préfère les gros châssis. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de faire un robot avec 4 moteurs contrôlables. Mais bon, franchement, 4 moteurs, ça me paraît assez compliqué. Est-ce que même pour tourner une roue pivot, ça me paraît mieux. Enfin, voilà, j'essaierai. Donc tout de suite, je vais vous montrer un petit peu donc comment marche ce robot là. Enfin, je vais vous montrer le test, etc. Et je vais vous montrer aussi comment marche ce robot là pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo. Et comme ça, vous mettez à la rigueur dans les commentaires lequel vous préférez. Donc on va dire que ça c'est le robot 2 et lui c'est le robot 1. Enfin voilà, lequel vous trouvez qui marche le mieux, voilà. Donc voilà le résultat comme promis. Donc bon, il y a eu pas mal de petits problèmes en fait au niveau de l'alimentation, mais voilà ce que ça donne en gros. Donc franchement, moi je le trouve plutôt pas mal, hein. Et donc voilà donc le deuxième robot, enfin le deuxième. On va plutôt dire que c'est le premier.
Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires donc, lequel des robots vous préférez. Hop là, on va finir sur un petit plan sur les deux robots. Voilà, voilà. Hop là, excellent. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis donc l'ancien, enfin le capteur ultrason sur le premier robot. Voilà, donc du coup là-dessus, il n'y a pratiquement plus rien. Voilà, parce que voilà, j'avais dû en fait enlever la pile. Voilà, pas mal de. Voilà, j'avais eu aussi quelques petits problèmes et tout au niveau du sens des moteurs, etc. Enfin voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bah, merci de l'avoir regardée. Ciao!